Bonjour à tous et bienvenue YouTube dans cette 12e VOD sur Elden Ring. Aujourd'hui, on est face à un boss qui est dur, sa maman. Donc hier soir, j'ai passé 1h30 à essayer de le battre. Donc, j'ai réfléchi toute la nuit. J'ai pas dormi. Je ne dors jamais. Non, c'est pas vrai. En fait, je me suis dit que ce boss-là, si on voulait le battre, le plus simple, ce serait de redémarrer le jeu apparemment. Ce serait de ne pas gagner de niveau. Parce qu'à mon avis, ça s'adapte à ton niveau. Donc ça sert à rien d'essayer de prendre des levels. Ce qu'il faut, c'est être bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas essayer de s'améliorer. Pour s'améliorer, il faut essayer d'améliorer l'équipement et les sorts. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller battre cet emmerdeur là-bas, je vais essayer d'aller améliorer mes armes, améliorer mes magies, trouver 2-3 trucs à faire, quoi. Donc, on va se laisser ce boss pour cette première VOD. Ça va être juste de l'entraînement et du farming. Histoire de se réchauffer un peu. Enfler, c'est réfléchir, non? Tout à fait. Hop! Je change la scène pour passer sur la bonne scène. Alors, oubliez pas, les arbalètes, là, les catapultes comme ça, faut les péter. Sinon, vous vous ferez démonter par les mecs. Voilà. On les pète, ces trucs-là. Donc, je vais essayer de faire un peu de sous. Un peu d'âme. J'ai même pas étudié la map, mais voilà, c'est ça. Ici, donc, tout est bloqué par cette muraille. Donc, ça, c'est le passage obligatoire. Par contre, il y a des trous ici, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'essayer de passer ailleurs que là où je suis? Donc, je m'étais équipé pour... Voilà. Par exemple, si j'arrive à faire une deuxième grenade, ce serait assez cool. Ouais, y a absolument pas moyen de l'éviter, je pense, ça. Qui tu es, toi? Vous, là! Je peux le lire! Vos doigts! Je vous prie, vos doigts! Oui, montrez vos doigts. Soyez bénis. Tu fais pas rêver la vieille. Dirigez-vous à la source d'or sans éclat. Traversez Raya Lucaria, le crépuscule des pierres d'éclat. Et assemblez les demi-lunes au grand ascenseur. Certes, le pont étant s'effondré, nulle traversée n'est possible. Et pourquoi ça a de l'importance? Le château de Voilorage se dresse toujours fièrement. Celui qui est derrière cette muraille là. Ok, et que ce sera le château quoi. Manuel du guerrier, parfait. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Il y a moyen de passer en fait par ici, regardez. Ça passe là. Ça passe. Ça mène où?
Oh là là, le jeu est beau, hein. Le jeu est beau quand même. Ça le dépend, il doit y avoir moyen de s'amuser d'une manière ou d'une autre, chacun. Alors. Ça amène où là où je vais? Et les loups, je passe. Liurnia. Ok, nouvelle contrée. Qui tu es, toi? Ah, c'est... Ah non, c'est Yeta. Parcours ce monde à la recherche de la lumière lointaine. Sans vouloir paraître imprudente, accepteriez-vous de me faire don de quelques fruits? Quand je mange un de ces fruits, ça, je peux apercevoir la lumière lointaine en arrière de mes yeux. Ok. Oh là là, c'est beau, regardez ça. Hello. Would you donate him on a pilgrim when I eat one of the... Bah écoute, dès que j'en trouverai, des fruits seront pour toi, Miss. Regardez ça. C'est magnifique, quoi, sans déconner. Aussi bien là-bas. Oh là là, mais c'est tellement grand aussi. Et de l'autre côté... Ah, une église. Église égale magie, généralement. C'est quoi, ça? Des baies de sorbier, donc c'est pas ça. L'arme de vie! Oh, ça, c'est cool! Vous savez, l'arme de vie, ça sert à améliorer vos potions. À faire en sorte que vos potions vous remettent plus de vie. Ok, faut éviter la petite tête de mort de merde. Mais non. Ok, quand il tombe mort, il se relève. Là, il est mort. Parchemin de l'académie. Ok. Nickel. C'est grave beau. Moi, je galère un peu avec mon samouraï, mais le jeu est top. Bah, écoute, tu peux toujours réorienter, hein. Tu peux toujours réorienter et dire, bah, je vais faire un samouraï magicien. Le truc, c'est que si t'as choisi samouraï, il faut que tu restes à distance. C'est tes arcs qu'il faut que tu buildes.
surtout pas ton sabre. Donc c'est dextérité et surtout, il faut que tu build... attends, laisse-moi regarder les skills vite fait. Statue, il faut que tu ailles dans la vigueur. Vigueur, endurance, dextérité. Vigueur, endurance, dextérité pour le samouraï. C'est ça qui t'importe, je pense. À mon avis, hein, Matra. Faut toujours... Parce qu'en fait, ton but, c'est de builder tes arcs. C'est ça que tu veux avoir. C'est ça, la grande force de ton samouraï, c'est la distance. Mauvaise idée. Il m'a tué. Ouais. Ça va être chaud de récupérer. Oh, j'ai cuit sans âme en plus, c'est pas énorme. Mais à mon avis, c'est ça. Hein. Dextérité. Le dex, en fait, ça va te permettre d'avoir pas mal de... Je suis où, là? Ouais, c'est bon. Je suis au bon endroit. La dextérité, ça va te permettre d'avoir... de pouvoir tirer plusieurs flèches. C'est fait, c'est quoi que je viens de choper? Il me suit, hein. Essayez de l'avoir quand même. Oh la vache, deux coups morts. J'essaie de trouver la faille. Oh, la lumière au coucher du soleil. C'est tellement classe, quoi. Pas.
Je connaissais pas le jeu, j'aime beaucoup, je vois beaucoup de râleurs sur les forums, mais ce que je vois me convient parfaitement. Pourquoi des râleurs? Tu sais, les gens chialent toujours, hein, mais qu'est-ce que ça chiale là? Qu'est-ce que ça dit sur le jeu? Le seul problème que j'ai trouvé actuellement dans ce jeu, c'est des petits ralentissements de temps en temps qui peuvent mal tomber, genre pendant un boss fight, le ralenti qui te casse bien les bonbons, quoi. Ah, l'église, ok. Il peut y avoir un TP pour l'église quelque part. Peut-être bien là-bas. Et les ralentissements arrivent quelle que soit la config, hein, parce que PS5, il y a des ralentissements, mais il y en a aussi sur... sur PC, malgré ma config de fou, là, j'ai quand même... Ah, le bâtard, il jette des potions. Mais qu'est-ce que je fais? Et... Mon Dieu que c'est beau. Est-ce que ce serait pas ça dont elle parlait? Non, Flora Mundis. Alors, le marchand. Pour ma part, j'adhère en voyant ton stream. Bah cool, tant mieux, écoute. Après, c'est sûr que c'est pas... Je suis pas d'accord avec le terme dur pour le jeu. Le jeu n'est pas dur, le jeu est technique. Et c'est pas forcément simple. C'est difficile à masteriser, en fait. Oh, un bouclier. Un vrai bouclier. Tu vois, par exemple, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça... Illuminer les environs, ça c'est indispensable. Donc je vais prendre la lanterne en premier. On va essayer de se trouver un petit ennemi quelque part. Il y a une ambiance absolument incroyable dans ce jeu.
Hein, fallait que ce soit eux, quoi. À mon avis, si je tape dans l'œil qui était là, ce serait encore mieux. Où ma vie ? Où ma vie ? Il y avait un vieux que j'ai croisé qui m'a dit « Méfie-toi du lac ». Il y a un dragon dans le lac, il m'avait dit. Je sais pas si c'est de ce lac-là dont il parlait. Mais, point de sauvegarde à côté. Pas d'ennemis. Ça sonne comme si c'était ici, quand même. Hein. Allez, encore quelques âmes et je vais pouvoir aller acheter ma lanterne. L'immersion est dingue complètement. Elle est incroyable, l'immersion tombeau. Et ça, c'est la force des jeux de From Software. Hein, c'est que... Et c'est pour ça que je comprends. En fait, je trouve qu'un jeu From Software, tu aimes ou tu détestes. Mais tu peux pas dire ouais, c'est pas mal là, tu sais. C'est. T'as forcément un avis ultra tranché sur le truc. Et merde. Et merde. Parce que le jeu, justement, est tellement perso. Et toi. Ok, donc ça c'est fait. Et c'est un jeu qui te prend pas par la main. Et moi j'adore le fait que ce soit comme ça. J'en ai marre, vraiment, des jeux où appuyer sur A pour sauter, appuyer sur B pour courir, appuyer... prennent vraiment trop par la main comme ça là, comme si t'étais un teubé, comme si tu savais pas que ben ça fait 400 jeux qui sont comme ça là et que du coup on le sait, mais je le dis quand même. Ce jeu là, là, c'est exactement l'inverse, c'est à dire que lui là, il te dit rien. Et je viens de me faire tuer. Merci ma puce. Merci beaucoup. Ouais, je vais... merci beaucoup, je le mangerai après. Merci, c'est très gentil. Ok, alors, pour Tombeau, toi qui connais pas peut-être les jeux, en gros, là, tu vois, le feu de camp me permet de redémarrer pas loin. Non ! Et ce qu'il faut pas, c'est que je meure. Thank you.
Voilà. Parce qu'en fait, quand tu meurs, tu laisses tous tes points d'XP sur place. Et il faut que tu reviennes là où tu es mort pour récupérer tes points d'XP. Malheureusement... Alors oui, c'est bon. Le radar me l'indique. Là-bas. Voilà, la plante jaune là-bas. C'est mes points d'XP, ça. Voilà. Si tu meurs une deuxième... Bah, pas comme Diablo, parce que Diablo, tu peux... Quand, tu ne peux augmenter tes levels qu'à un feu de camp. Tu vois. Et c'est pas que des points d'XP, parce que ça te sert aussi à acheter des objets. Ce qui fait qu'en fait, si tu meurs deux fois, tu perds tout ce que t'avais looté. En fait, tu perds tout ce que t'avais accumulé et que t'avais pas utilisé. Donc, acheter. Tiens, là, je peux acheter ma lanterne. Hop! Bon, j'aime bien mettre une lanterne. Je te dirais, c'est comme rassurant d'avoir une lanterne. Est-ce que c'est là-dessus que ça se met? Non. Ça se met là, peut-être. Voilà. Comme ça, maintenant. J'ai ma petite lanterne. Et donc, à chaque fois que tu vas à un feu de camp, tu veux améliorer ton équipement, eh bien, tu vas prendre... tous les ennemis vont repopper. Eh bien. Voilà. T'as une sensation de progression qui est assez folle dans ce jeu parce que du coup t'apprends chaque ennemi, t'apprends ses forces et ses faiblesses. Ça y est, j'ai trouvé la map. Ok, donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du château. D'accord. J'ai fait le tour en passant par ici. Ça, c'est trop bien. S'il m'a vu. Ah merde, ça c'est chiant. Gaffe, gaffe, gaffe. Il y a un téléphone qui sonne, ouais, c'est ça. Il a oublié d'éteindre son téléphone, ouais.
C'est l'arbre qui cache la forêt, hein. T'en trouves un, t'en trouves mille, hein. Voilà. Tu sais, j'en avais vu aucun là. J'avais l'impression que c'était vide. Je rentre dans l'église, j'en trouve un, deux, et là, il y en a 50 d'un coup. Ils utilisent le son de la cloche pour percevoir les mouvements de touristes. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ils appellent les espèces de fantômes, et les fantômes, faut toujours s'en méfier. La nouveauté de ce jeu aussi, c'est les cavaliers. Cavaliers peuvent être particulièrement casse-couilles. Allez, Yakulu, bouge. C'est un cavalier avec une cloche en plus, l'enfer. Non ! Non ! Il m'a tué ! J'y étais presque ! Ah, ça va être tellement l'enfer retourner là-bas. Le rush dans ce jeu est ultra punitif. Si tu rushes une zone, c'est très 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 dangereux. Là, j'étais allé vachement loin, hein. Ok, fait. J'avais vu arriver, toi.
Non, mais quel con. Je l'ai, dans ma tête, j'étais comme... Tu rushes, c'est con. Voilà. Tu rushes, c'est con. Faudrait que je change peut-être de bouclier. Je vais essayer de me choper un meilleur bouclier. Là, de toute façon, le but de cette session-là, de cette première heure de jeu, c'est de faire du stuff, hein, d'améliorer son stuff. Donc d'ailleurs, première chose que je pourrais faire, c'est pas devoir refaire ce coin-là. C'est ça. Allez ici. J'ai chopé une perle qui me permet d'améliorer mon... Non, pas faire passer le temps. Améliorer les fioles. Voilà, encore. Vous n'avez pas de larmes de vie. Ajoutez des fioles. Est-ce que j'ai... Vous n'avez pas de grains dorés. Ok. Ça, c'est la bonne chose. Ensuite de ça... Non. Hop. J'ai hésité. Voilà. Mais non, tu es allé trop loin. Dur à master le cheval, je trouve. Hein. C'est la partie un peu rigide. Est-ce qu'il est nerveux? Branche sacrificielle. Très bien. C'est pas ce que je voulais faire, mais. On peut pas passer par là, mais par contre j'ai vu là-bas un passage tout à l'heure. Là, voilà. J'ai là le passage. Ok, une autre prison, très bien. Ok, et ça c'est l'autre côté du château donc. Voilà. C'est l'autre côté du château. Parfait. La monture est vulnérable. Bien sûr qu'elle est vulnérable. Si elle se fait toucher, elle a ses propres points de vie. Elle peut récupérer des points de vie si... si tu... Qu'est-ce que c'était que ça? Elle peut récupérer des points de vie si jamais tu décides de... Si jamais tu lui donnes... Si jamais tu lui donnes de la bouffe, elle peut récupérer des points de vie, mais par contre... Ouais, c'est... Parce que je me disais, c'était farfadé. Non! Je suis bloqué!
Un piège à con par ici un peu. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous avez vu ? Comme si... Pardon. Comme si à chaque fois qu'ils amenaient de la brume, ça amenait d'autres... Et dehors. Ah, ça l'a calmé, hein. Sûr que c'est ça. En fait, au départ, il n'y en a qu'un. Et puis de la brume, il y en a un deuxième qui sort. Et puis ainsi de suite, et un autre, et un autre, et un autre. Et à chaque fois que qu'il balance de la brume... Ah merde, j'avais pas vu. J'avais pas vu ma vie. Chaque fois qu'il balance de la brume, ils en créent un de plus. Ouais, j'avais pas vu, potion. J'avais pas vu. J'ai fait le con. Lui, là, le colosse qu'on vient de voir, là, en photo, il était hyper classe. Ben là, du coup, potion améliorée. Je vais voir si je peux améliorer mon arme. Et si j'arrive à améliorer mon arme, après, on sera bon pour aller se faire le méga boss, hein. À mon avis, jouer sur leur terrain, c'est une bêtise. Mais... Oh là là, la lumière est complètement dingue. Ah merde! J'y étais. C'est par là en premier. Je me demande... Parce que je découvre carrément encore le jeu, quoi. Du coup, je me demande s'il n'y a pas des... Tu sais, en haut des pics rocheux, par exemple, tu vois, vu que tu as une espèce de... Merde! Ah, c'est pas vrai. La direction est quand même chiante avec ce cheval, hein, souvent. Mais je me dis que vu que t'as ce cheval, est-ce que tu peux pas, justement, tomber sur des pics rocheux où il y aurait des trucs cachés? Parce que ce genre de jeu a des trucs cachés de partout, hein. J'ai réveillé les copains. Ah, j'ai fait, tu vois, j'ai fait perdre la vie au cheval. Envoie 2. Ok, un de moins.
Mais non, mais sérieux. Ok, 2, 3. Il n'y en avait que 3 là. Il n'y avait pas plus. Il n'y avait que 3. De trop, Bobo Monture, ouais, complètement. Salut Eloéos, je t'ai pas dit bonjour, comment vas-tu? Voilà. Mais il y a encore tout ça, mais c'est tellement grand, sérieux. Ok, il y en a de partout de ces merdeux. Non, en fait, ça en crée pas. Par contre, ils font un bon petit saignement, les gars. Je m'y attendais, hein. M'attendais. Il va loin avec ses flammes. Une attaque ratée, mort. Périr, c'est mieux que mourir. Pas sûr. Dans tous les cas, c'est la merde. Encore une fois, là, je ne veux pas prendre de level hein, dans cette run-là, sur cette heure-là. Je prends pas de level, je ne veux juste que améliorer mon stuff. C'était par où ? Ok, il fallait passer par ce petit bout de forêt pour passer par là. C'était ça, en fait, le chemin. D'accord. Voilà. Thank you.
cheval presque mort. Mais putain, mais vise! Et dehors. Voilà, et de deux. Eux, ils sont facilement tuables, fais voir. Faudrait arriver à séparer le groupe. Putain, ils courent vite, hein. Ouais, ils sont quand même tuables. Raté. Ok. Ouais, mon épée, elle est finie, en fait. Elle vaut rien. Et de une. C'est pour ça que j'en chie comme ça, c'est parce que j'ai pas une bonne arme. Si j'avais une bonne arme, ça changerait pas mal la donne. C'est elle que je veux. Almost. Salut Riz le vrai. Ah, le vrai Riz. En fait, il cherche où on peut trouver le True Old Tractor Beam. De quoi tu parles? Attends. Pas lu vos messages, excusez, j'étais en plein fight, j'ai pas fait gaffe. Et de une. Hop, je finis ce petit fight. Et le dernier. Sa magie que je voudrais.
On est à Cruel 1 et on voit rien dans l'armure. C'est parce que c'est pas dans les armures le multitool. Le multitool, tu l'achètes. Tu l'achètes dans les. Faut que t'ailles dans le. Alors, Cruel 1, je sais pas ce qu'il y a à Cruel 1. Cruel 1, normalement, c'est une station de transport. Fait que tu vas aller dans les. Dans la partie. T'as trois étages. T'as habitation, t'as la bouffe. Et faut que t'ailles dans la raffinerie. En fait, c'est dans la raffinerie, c'est côté industriel que tu vas avoir le tracteur BIM. Ça c'est fait. Les papillons quoi. Le truc indispensable dans le jeu, c'est les papillons. Parce que les papillons te permettent de créer des grenades et... Brévière de moine du feu. Ah, je vais peut-être avoir des magies de feu grâce à ça. Salut Garcimore! Comment vas-tu? Est-ce qu'il y a moyen de grimper là-haut? Ben non. Faire le tour. Ouais, un vampire pas très impressionnant. De l'autre côté, ça donne quoi? De l'autre côté, ici, est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a là? Non, pas ça encore. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit boss ici? Crabe et marée putride. Ouais. Les crabes, c'est pas le pire. Par contre, le marais, j'arriverai jamais à le traverser, là. Okay.
va revenir au point de sauvegarde avant. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la balade ? C'est une grotte, ça ? C'est carrément une grotte, ça ? Oh là là, c'est beau! Alors, à mon avis, le boss est tout en bas. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Ah mais c'est une grotte de gobelins. Ils sortent d'où, sérieux ? Navré Porco a été plus rapide que moi cette fois. Il y a pas de problème. Ils sortent de là-haut. C'est cool, on se croirait dans les mines de la Moria. Il y a des gobelins qui popent de partout. Ils sont cachés dans les recoins. Excellent. Allez, viens. Tu vas tomber de la... Ah non, même pas. Ok, je comprends. Donc ça, c'est le point de save en haut. Si je veux, je peux faire ça, ça... Et aller jusqu'en bas, et la porte de boss, elle doit être tout en bas de ce truc-là, et je peux descendre rapidement par ici.
ou je peux prendre le grand chemin qui est par là. Bon, je pense que ça va être le moment de save pour cette première VOD. Du coup, on va revenir au feu de camp là-haut. On va aller se balader à travers la grotte là. Du coup, merci YouTube d'avoir suivi cette première VOD, cette 12e VOD sur Elden Ring. Des gros bisous à tous et je vous retrouve tout de suite après pour la... je vous retrouve demain dans une nouvelle VOD. Twitch, vous ne bougez pas, j'arrive dans 2 secondes, le temps de relancer notre VOD. Des bisous, à demain, bye bye.